Bonjour. Bonjour madame. Ah mais je suis pas au cabinet Maison et qui ? Si. Mais vous êtes le docteur Maison ou le docteur qui ? Je suis l'aidé, madame. Ah, parce que je les imaginais un peu plus... ou un peu moins... Madame, qu'est-ce qui vous ramène aujourd'hui ? Alors, c'est mon fils. En ce moment, mais tous les jours, il me dit « Maman, c'est quand Noël ?» Et « Maman, c'est aujourd'hui Noël ?» Et « Maman, c'est demain Noël ?» Et c'est quand qu'on mange les chocolats ?» Chocolat, c'est tous les jours. Les chocolats, vous pouvez manger du chocolat tous les jours, mais bien sûr, avec modération. Oui, ça, c'est vrai. Mais aussi, il me dit « Et maman, c'est quand qu'il vient le Père Noël ? Et c'est quand que j'aurai mes cadeaux ? Et c'est quand qu'on fait la fête ?» Et c'est vrai, c'est quand qu'on mange du foie gras et qu'on boit du champagne. Champagne ? Vous êtes sûre, madame, que c'est votre enfant qui vous demande ces genres de questions ? Bon, c'est vrai, moi, je suis un petit peu impatiente aussi, quoi. D'accord. Alors, du coup, je vais faire un pierre de coup. Une pierre de coup. Alors, moi, ce que je peux faire pour vous, c'est de vous prescrire des médocs libres. Ouais. Alors, c'est pour que vous trouviez le temps moins long. Oh, bon, ça va, moi, je suis une adulte, hein, quand même. Bah, du foie gras, d'accord. Alors, pour commencer, je vous conseille de lire, de lui lire tous les soirs. Combien de nuits reste-t-il avant Noël ? Cela va permettre de préparer le terrain, déjà, et d'avoir une sorte d'idée, d'imaginer quelque chose qui va venir. Toujours, ça fait plaisir aux enfants, de l'imagination, pour qu'ils commencent à imaginer tout ce qui va venir. Ensuite, je vous conseille de 2 ou 3 fois par semaine, de lui lire Les Bons Amis. C'est un livre qui lui permet de comprendre qu'il n'y a pas que Noël dans la vie, il y a aussi le quotidien, les amis, l'école. Donc voilà, cela vous permettra de décrocher un peu de Noël. D'accord ? Alors, pour patienter agréablement, je vous conseille aussi un livre qui s'appelle Idées pour Noël. C'est un livre qui vous permettra de passer un agréable moment avec votre enfant. Et ça va vous permettre aussi de faire des décorations. Et aussi, il y a plein de recettes pour vous. Donc des recettes que vous pouvez faire et que vous pouvez faire le jour J. Je vous donne tout ça. Vous allez chercher à la bibliothèque Sorbier. Merci docteur. Docteur Maison qui, regardez, ils m'ont donné tout ce que vous avez dit, et puis j'ai même eu un paquet cadeau, et ils m'ont même conseillé ça en plus. Oh ! Mais alors c'est toi le Père Noël ? On peut faire un selfie ? Sinon on va jamais me croire, hein. Joyeux Noël à tous.